Selon le catholicisme, la Vierge Marie qui n'est plus une vierge, puisque les Écritures nous montrent bien que Jésus qui fut le premier-né, ne fut pas le seul enfant de Marie et Joseph. Jésus n'a jamais eu de frères et de sœurs. Marie était vierge. Marie a mis au monde le Christ, sans qu'elle ait jamais connu d'homme, ouais. Mais elle avait un mari. Est-ce que tu crois qu'il serait resté marié à elle toutes ces années-là, sans jamais coucher avec? La nature de Dieu et que le Christ soit né d'une vierge, eh bien ce sont des dogmes de foi. Mais par contre, croire mordicus qu'un couple n'a jamais eu de relations sexuelles, c'est de la pure imbécilité. Poursuis. La virginité perpétuelle de Marie constitue le premier apport dans le processus qui a ouvert la voie à la dévotion mariale. L'Évangile nous apprend que la Vierge de Nazareth était fiancée à Joseph, homme de la maison de David. Et Matthieu 1, verset 25 révèle un fait indiscutable. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Cela n'annule en rien l'état virginal de Marie jusqu'au moment de la mise au monde de Jésus. Bien entendu, connaître, au sens biblique, veut dire s'accoupler sexuellement en vue de procréer. Il n'y a là rien de condamnable, puisque l'union charnelle entre un homme et une femme est conforme à la sainte volonté de Dieu. Dès avant la chute, le Créateur les avait destinés l'un à l'autre. Aussi, est-ce une erreur de présenter l'accouplement, dans le cadre du mariage, comme empreint de péché? Une telle conception, fausse et culpabilisante, fait le jeu de l'adversaire. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé, Actes 11, verset 9. Pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. C'est l'apôtre Pierre qui en a reçu la divine révélation. Et Paul, interprète de son Seigneur, précise au conjoint chrétien, 1 Corinthiens 7, verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis, retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Le couple qui nous occupe n'a pas échappé à la règle commune. D'ailleurs, une fois le mariage consommé entre Marie et Joseph, d'autres enfants, ceux-là normalement conçus, sont nés de Marie, quatre garçons, Jacques, Joseph, Simon et Jude, et au moins deux filles, au pluriel dans le texte original, sans précision de leur nom, tous qualifiés de frères et sœurs de Jésus, Matthieu 13. Versets 55 à 56. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères et ses sœurs? Ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Marc 6, verset 3. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Le mot grec adelpho qui a été traduit par frère est composé de mots signifiant lien et matrice. Dans Luc 2, verset 7, Jésus est appelé le fils premier-né de Marie, ce qui sous-entend clairement qu'il y en a eu d'autres. Le nouveau dictionnaire biblique précise. Frère du Seigneur. Les évangiles appellent ainsi Jacques, Joseph, nommé aussi José, Simon et Jude, en mentionnant expressément qu'ils avaient aussi des sœurs. Ils accompagnent Marie Matthieu 12, verset 47, Marc 3, verset 31 et 32, Luc 8, verset 19 et 20. Avec Marie, Jésus, et les disciples, ils vont à Capernaum au début du ministère de Christ Jean 2, verset 12. Aussi, Jean 7, versets 4 et 5. Néanmoins, après la résurrection, on les trouve unis aux disciples à Caïn. Verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. La question de leur parenté avec Christ a été fort débattue, et diverses théories ont été avancées pour affirmer qu'ils n'étaient que ses cousins. Ils auraient été fils d'Alphée, ou Cléopas, et de Marie, sœur de la Vierge Marie. Pourtant,
Le mot de cousin n'est jamais employé à leur sujet, bien que l'expression grecque anepsio fasse parfaitement partie du vocabulaire du Nouveau Testament. Le terme plus précis de fils de la sœur employé pour le neveu de Paul en Actes 23. Verset 16 de même, le mot parent, ou cousin, qui revient 11 fois dans le Nouveau Testament. Or, nous avons dit précédemment que le mot grec utilisé pour frère et sœur adelpho, signifie sans équivoque, parenté humaine au sens strict. Il semblerait donc étrange que les frères du Seigneur n'aient jamais été appelés cousins s'ils l'étaient vraiment. D'autre part, Jacques fils d'Alphée étant parmi les apôtres Matthieu 10. Verset 3 Comment pourrait-on dans ce cas dire que les frères de Jésus ne croyaient pas en lui? Il y a aussi d'autres arguments foireuses concernant cela, il serait sage de leur part de ne pas faire dire au Saint-Esprit ce qu'il n'a pas dit, car cela pourrait leur coûter très cher. Pour démontrer qu'il s'agit réellement des frères de Jésus, fils de Marie et de Joseph. Christ est appelé le fils premier-né de Marie. À l'époque où Luc écrivait, il était bien l'aîné, et non pas le fils unique de Marie. Le passage de Matthieu 1, verset 25 laisse entendre qu'après la naissance de l'enfant, Marie devint réellement la femme de Joseph. Les habitants de Nazareth étaient surpris de voir une telle différence entre le fils du charpentier et ses frères et sœurs, précisément parce qu'ils étaient de la même famille. Lorsqu'on parle des frères de Jésus, on mentionne constamment avec eux Marie, en lui donnant le titre de mère, sans jamais apporter la moindre indication qu'ils n'étaient pas ses enfants. Marie a eu des relations sexuelles avec Joseph après qu'elle ait eu son enfant premier-né. Premier-né, elle l'emmaillota. La Bible dit, elle emmaillota son premier-né. Si ça avait été son unique, on ne dit pas son premier-né. Mais comme il y en avait eu d'autres, et on sait que Marie et Joseph ont eu des relations normales, donc entre mari et épouse, et il y a eu d'autres enfants qui sont nés de leur relation. Jésus avait des frères et des sœurs. C'était l'argument que j'ai présenté au curé quand j'ai quitté l'Église catholique romaine, que Marie avait eu d'autres enfants, et que la Bible dit dans Matthieu qu'elle, qu'il y avait eu des frères et des sœurs. Et les gens de Nazareth ont dit, mais on le connaît Jésus, il a des frères, on connaît ses frères et ses sœurs. Et les catholiques disent, ce ne sont pas ses frères et sœurs, ce sont ses cousins. Vous voyez? Alors j'ai dit, comme j'avais étudié le grec pendant environ 7 ans, je connaissais très bien, et pour le mot grec de cousin, c'est anepsios. Et ce n'est pas ce mot-là qui est dans la Bible. Le mot qui est dans la Bible, c'est adelphai pour les sœurs, vous voyez, au singulier, adelphai au pluriel, et adelphos pour frère, et adelphoi au pluriel. C'est frère et sœur, c'est ce mot qui est là dans la Bible, qui veut dire frère et sœur de sang. De sang, vous voyez. Et le curé a dit, non, c'est pas vrai. Il a pas voulu comprendre. J'ai dit, monsieur, au revoir, bye bye. Au sujet de ses relations avec Joseph, la Bible est très claire. Il n'y avait aucune raison pour que Joseph et Marie n'aient pas de rapport sexuel, comme c'est le cas pour tous les couples normaux. D'ailleurs, cela aurait été contraire à la volonté de Dieu clairement indiquée lors de l'institution du mariage, il fallait que les deux soient une seule chair. Et le but du mariage est la procréation. Certains pensent malheureusement que Marie faisait exception à la règle, mais nulle part il n'est fait mention d'une interdiction spécifique de relations conjugales ultérieures entre Joseph et Marie. Ce serait d'ailleurs contraire au commandement de Dieu. Dieu ne se contredit jamais. Jésus lui-même rappelle ce commandement à ses disciples, Matthieu 19, versets 4 à 6. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Il était donc normal que Marie ait des fils et des filles. De plus, nous voyons clairement dans la Bible que ni Jésus ni ses disciples n'appelaient Marie « Vierge Marie », c'est même ridicule de le faire, la virginité d'une personne fait partie de son intimité, ce n'est pas un titre ou un attribut. Il faut reconnaître que la virginité de Marie s'est limitée à la partie de sa vie antérieure à la naissance de Jésus, miraculeusement conçue par l'Esprit Saint.
La notion de Marie-Mère de Dieu provient aussi d'une confusion qui consiste à assimiler Jésus fait homme à Dieu lui-même. Certes, celui qui a vu Jésus a vu le Père, Jean 14, verset 9. Mais, bien qu'il ait dit, « Je suis dans le Père, et le Père est en moi », Jean 14, verset 13, Jésus est distinct du Père. Il affirme aussi, « C'est de Dieu que je suis sorti et que je viens », Jean 8, verset 42, et « Je suis sorti du Père », Jean 16, verset 28. L'apôtre Paul révèle que le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, Colossiens 1, verset 15, et aussi que tout a été créé par lui et pour lui, Colossiens 1, verset 16. Jésus, auteur de la création, existait donc déjà de toute éternité lorsqu'il est venu sur cette terre, envoyé par son Père, pour prendre la forme d'un petit enfant conçu miraculeusement par l'Esprit Saint et porté par Marie. La Vierge n'a donc été que la mère terrestre de Jésus fait homme. Dieu n'a pas de mère. Comment la créature pourrait-elle avoir engendré le Créateur? Il convient donc de laisser à leur place chacune des trois personnes de la divinité, implicitement distinctes dans le terme Christ, du grec Christo, qui signifie Messie ou un. De fait, l'onction sous-entend nécessairement celui qui la donne, Dieu le Père. Celui qui la reçoit, Jésus le Fils. L'huile répandue, le Saint-Esprit. Nous voyons cela lors du baptême de Jésus, Matthieu 3, versets 16 et 17. Donc dire que Marie est la mère de Dieu reviendrait à dire qu'elle est à la fois la mère du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, les trois personnes de la Trinité ou divinité. Jésus n'est pas Dieu le Père. En effet, le Fils reste soumis au Père, et, lorsque viendra la fin, il remettra le royaume entre ses mains. Enfin, selon les paroles même du Sauveur, nous pouvons nous-mêmes devenir sa mère, si nous faisons la volonté de Dieu. Marc 3, verset 35. Comment cela peut-il se concevoir? De façon toute simple. Faisant la volonté du Père, nous portons en nous le Fils, c'est-à-dire la vie et nous la transmettons par le témoignage personnel. Quelle est la fonction essentielle d'une mère, sinon de transmettre la vie? Au moment où Jésus a prononcé ces paroles, ceux qui le suivaient et avaient accepté son enseignement pour le mettre en pratique, possédaient avec lui un lien de parenté beaucoup plus étroit que Marie, alors dans l'incompréhension. Telle est l'évidence qui se dégage d'une lecture attentive de l'Évangile. Marie n'est pas la mère de Dieu, mais la porteuse du corps de Jésus et de plus elle n'est pas divine. L'appellation de Marie mère de Dieu, ainsi plaçant la créature au-dessus de son créateur, est complètement contraire à la raison et à la révélation. La créature périssable et corruptible ne peut être la mère de son créateur qui est éternel et esprit pur. C'est d'autre part remettre en question la préexistence de Jésus comme les passages bibliques suivants l'énoncent. Les évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean ne lui donnent aucun titre et parlent d'elle comme étant la mère de Jésus. Nulle part dans la Bible on donne ce titre à Marie. Il est donc impossible de lui donner une stature suprahumaine qui mène jusqu'à la divinisation et en font un objet de culte et d'adoration bien que l'Église de Rome s'en défende à moitié, sur le papier mais certainement pas dans les faits. Jésus lui-même s'est exprimé sur le sujet, Jean 2, versets 3 et 4. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Refuser d'appeler Marie mère de Dieu ne remet pas pour autant en cause la divinité de Jésus-Christ, le mot « femme » n'est pas à prendre comme une impolitesse de la part de Jésus. Il est seulement une expression normale dans son contexte linguistique. Il ne s'agit donc pas d'une attitude de Jésus peu enclin à exécuter la volonté de sa mère mais celle d'un fils, le Fils de Dieu en l'occurrence, vis-à-vis de son Père céleste et de sa soumission complète pour exécuter la volonté de son Père, son ministère venant de commencer. Le catholicisme prétend que Marie n'a jamais péché et, donc, qu'elle était sauvée depuis sa naissance.
l'Immaculée Conception de Marie, savoir sa préservation du péché originel dès sa conception et sa vie terrestre, n'a aucun fondement biblique. Tout, au contraire, dans les textes du Nouveau Testament, s'avère en contradiction avec une telle version des choses. La Bible affirme que Jésus, et non Marie, est celui qui n'a pas péché. 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Mettant à part le Seigneur Jésus, la Bible affirme on ne peut plus clairement que tous les hommes et les femmes ont péché. Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ecclésiaste 7, verset 20. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pèche jamais. Romains 3, verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Remarquez bien, aucun de ces versets ne dit « tous ont péché, sauf Marie ». Dans l'évangile de Luc, Marie elle-même a admis qu'elle était pécheresse. Sinon, pourquoi aurait-elle affirmé qu'elle avait besoin d'un sauveur? Luc 1, versets 46 à 47. Mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. Marie de Nazareth était une jeune fille comme les autres en Israël. On ne relève à son sujet aucune remarque élogieuse, aucun élément permettant de lui attribuer des mérites quelconques. Elle a bénéficié de la grâce divine. Des mérites reconnus s'entraînaient la récompense. La grâce signifie don gratuit et immérité. Pour s'incarner, Jésus a accepté de prendre la forme d'un simple homme, né d'une simple femme. C'est le Saint-Esprit, par lequel il a été conçu, qui l'a rendu, lui, exempt de péché dès le sein de sa mère. Elle par contre, n'échappait pas à la loi commune. Si Marie avait fait exception, l'apôtre Paul l'aurait relevé. Il aurait écrit ceci, « Il n'y a pas de juste, pas même un seul, à l'exclusion de Marie préservée du péché dès sa naissance, par une grâce particulière dont aucun autre humain n'a bénéficié et ne bénéficiera. » Mais l'auteur des principales épîtres ne l'a pas dit. Au contraire, l'Évangile relate plusieurs faits qui prouvent que celle à laquelle une grâce particulière a été accordée, était bien de la même nature que nous. Marie, dans le cantique qu'elle prononce chez Élisabeth, sous l'action de l'Esprit Saint, dit que Dieu a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Luc 1, verset 48. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. C'est, de sa bouche même, le témoignage qu'elle ne se place pas au-dessus des autres. Elle s'humilie de son état, se sent indigne face à la sainteté de Dieu, petite devant sa grandeur. Elle considère le don qui lui est fait comme immérité. La présentation de Jésus par Joseph et Marie, au temple de Jérusalem, n'eut lieu que lorsque les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse. Ce sacrifice offert, conformément aux prescriptions de Lévitique 12, fut expiatoire pour le flux de sang, considéré comme impur, consécutif à l'enfantement de Bethléem. Pendant 40 jours, Marie ne put toucher aucune chose sainte ni aller au sanctuaire. Si elle avait été exempte de tout péché, pourquoi se serait-elle soumise au processus de la purification, puisque le saint enfant auquel elle avait donné le jour venait de l'Esprit et qu'elle n'avait pas connu d'homme? Par la suite, l'incompréhension des parents de Jésus quant à son ministère permet d'affirmer que Marie a fait preuve d'incrédulité à plusieurs reprises. Ceci constitue le plus grave péché aux yeux du Seigneur. Dans ce cas, il s'avère d'autant plus net qu'il intervient chez la bénéficiaire d'une grâce insigne, à laquelle les révélations de la plus haute importance ont été faites.
lorsque Jésus, à 12 ans, est retrouvé par ses parents dans le temple s'entretenant avec les docteurs, Marie, par son reproche, s'attire en retour ceux de son fils. Elle ne soupçonne même pas sa mission et oublie les impératifs de sa filiation divine. Luc 2, versets 48 à 52. Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Lorsque Joseph et Marie, apprenant ce que disait et faisait Jésus, son ministère qui drainait les foules et provoquait l'hostilité des autorités religieuses juives, viennent se saisir de lui, ils disent. Il est hors de sens. Marc 3, verset 21. Un tel propos révèle sans équivoque leur totale incompréhension et va dans un sens absolument opposé au plan divin. Le refus de se rendre à l'appel de sa famille, Marc 3. Versets 31 à 35, est hautement significatif de la part de Jésus lui-même. Connaissant leurs pensées, et par là leur incompréhension de son ministère, il se démarque d'eux et montre que sa véritable parenté est spirituelle. Luc 8. Verset 21. C'est un jugement porté sur Marie. Nous le voyons constamment tout au long de cet enseignement, Jésus s'oppose au détournement de gloire et d'honneur qu'il est le seul à mériter. Au lieu de le considérer comme l'unique homme n'ayant jamais péché, le catholicisme contredit les Écritures et insiste sur le fait que Marie est également sans péché. Marie a-t-elle été préservée du péché depuis sa naissance? La tradition catholique veut vous le faire croire, mais la parole de Dieu affirme qu'elle ne le fut pas. En quoi croirez-vous? L'élévation du corps de Marie, préservée de la mort, élevée, avec son âme, à la gloire céleste, est le fruit d'une prétendue révélation bien tardive reçue par le pape Pie XII. Or, rien dans les Écritures ne permet d'accorder le moindre crédit à cette version des choses. La dernière mention de Marie est consignée en Actes 1, verset 14. La mère de Jésus se trouve avec les disciples dans la chambre haute de Jérusalem, persévérant dans la prière, en attente de l'effusion de l'Esprit promise par le Maître. Elle participera avec eux à la bénédiction de Pentecôte. Après, plus rien. Si son élévation à la gloire céleste, lui permettant d'échapper à la mort, avait eu lieu, elle aurait été relatée dans la suite du livre des Actes des Apôtres ou mentionnée dans les Épîtres. Les écrivains sacrés n'auraient pas passé sous silence un événement aussi exceptionnel. Notons au passage qu'aucune prophétie, aucune parole du Christ ne laisse envisager pareille circonstance. En l'absence de toute indication biblique, on peut simplement penser que Marie a connu la mort, destin commun à tous les hommes, tels Joseph, Pierre, Paul, etc. Comme tous les morts en Christ, elle ressuscitera premièrement, lors du retour glorieux du Seigneur qui descendra du ciel. Jésus, par sa résurrection, est le premier-né d'entre les morts, les prémices de ceux qui sont morts. Ces textes fondamentaux n'accordent à Marie ni la seconde place, ni la moindre part privilégiée. À Christ seul appartient d'avoir déjà vaincu la mort et de siéger, dans la gloire céleste, auprès du Père. Seul Jésus a été enlevé au ciel après sa résurrection. Énoch et Élie ont été les deux autres personnages bibliques qui ont été enlevés au ciel mais sans être passés par la mort. Si un tel événement avait eu lieu comme l'enlèvement par Dieu auprès de lui, du prophète Élie sur un char de feu sans passer par la mort, Jean qui avait atteint un âge avancé au moment de la rédaction de son livre l'Apocalypse, chez qui Marie résidait n'aurait pas manqué de le mentionner. Cette doctrine est à rejeter, car elle est anti-biblique. Le catholicisme prétend qu'à la mort de Marie, le Seigneur l'enleva dans les cieux et lui donna le titre de reine de l'univers. Encore une fois, la doctrine catholique et la parole de Dieu s'entrechoquent. Non seulement l'Écriture n'enseigne nulle part une telle doctrine, mais elle la condamne.
dans Jérémie 7, verset 17. Nous lisons que l'adoration d'une fausse déesse nommée Reine du Ciel rendit Dieu furieux. Pourquoi le peuple rendait-il un culte à une fausse déesse nommée Reine du Ciel? Parce que c'était une tradition humaine qui leur avait été transmise par des hommes religieux. Le catholicisme nous aurait-il transmis le même rituel païen qui rend Dieu furieux? Les religions païennes. Sans aller au-delà des buts de cet épisode, bien des catholiques curieux seraient étonnés par l'étude des nombreuses fausses religions qui adorent une reine du ciel. Ces faits étant établis, l'insistance catholique à donner à Marie un titre si souvent utilisé pour de fausses déesses devrait faire réfléchir. La référence à 1 Timothée 1, verset 17, qualifiant Jésus de roi des siècles ne saurait aucunement permettre d'attribuer à Marie le titre de reine siégeant à la droite de son fils. Il n'y a qu'un seul trône à la droite de Dieu, celui de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Dieu n'a pas d'associé, il n'a point d'égal, personne n'est semblable à lui. Dire que Marie est la reine de l'univers, c'est de faire d'elle une déesse, ce qui est un blasphème, une abomination aux yeux de Dieu, une violation de son premier commandement. Pourquoi Jésus, celui qui a sacrifié sa vie et a souffert la torture cruelle de la croix, est-il écarté et remplacé par une simple mortelle? D'un côté, le catholicisme insiste sur le fait que le Seigneur a élevé Marie au rang de reine de l'univers. D'un autre côté, la Bible nous enseigne qu'adorer la reine du ciel provoque la fureur de Dieu. En qui placerez-vous votre confiance? Dans la tradition humaine ou dans la parole de Dieu? L'association de Marie à l'œuvre de la rédemption, traduite par le qualificatif de co-rédemptrice, n'a pas davantage de fondement scripturaire. Le rédempteur, dont la fonction remonte à l'ancienne alliance, est celui qui rachète, qui libère en acquittant une rançon. Par exemple, Baz exerça son droit de rachat, dû au degré de parenté, pour obtenir Ruth et l'épouser. En ce qui concerne les hommes perdus, naturellement esclaves du péché et destinés à la mort, il n'y a qu'un rédempteur. C'est Jésus. 1 Pierre 1, versets 18 à 21. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. L'apôtre Paul l'affirme aussi sans ambiguïté. Galates 3, versets 13 et 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Et Jean, dans l'Apocalypse, reçoit la révélation grandiose du Rédempteur Jésus-Christ, l'agneau sans défaut et sans tache. Apocalypse 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » En raison de sa foi initiale dans les propos de l'ange Gabriel et de sa soumission exemplaire à la volonté divine, Marie a accueilli en son sein l'incarnation du Fils de Dieu. Elle y était prédestinée. Ainsi, Jésus, qui était déjà Fils de Dieu, devient également Fils de l'homme. Si le rôle maternel de Marie la faisait participante à l'œuvre de la rédemption, c'est aussi, de proche en proche, toute son ascendance qu'il serait logique d'y associer. La généalogie de Jésus remonte jusqu'à Abraham dans l'évangile de Matthieu, jusqu'à Adam dans celui de Luc. Comment celui qui a péché dès le commencement et sa descendance, héréditairement pécheresse,
pourrait-il participer à leur propre rachat? Comment Marie elle-même, une pécheresse, peut-être associée à l'œuvre parfaite de Jésus-Christ? C'est la postérité de la femme, c'est-à-dire Jésus, qui écrasera la tête du serpent, Genèse 3. Verset 15, et non la femme elle-même. Marie a désigné Dieu comme son sauveur, Luc 1. Verset 47. Elle reconnaissait donc qu'elle aussi avait besoin d'être rachetée. Jésus-Christ seul, parce que d'essence divine et exempt de péché, par ailleurs en communication directe et permanente avec le Père, était en mesure d'exercer le droit de rachat. Par son propre sang, il a obtenu pour ceux qui l'acceptent, une rédemption éternelle, Hébreux 9. Verset 12. Ainsi, Christ s'est offert une seule fois pour porter nos péchés, Hébreux 9. Verset 28. Il est le Rédempteur, et Marie, sa mère terrestre, a aussi été au bénéfice de son sang précieux versé à la croix. Faire de Marie notre co-rédemptrice équivaut à transformer en sauveur celle qui a été sauvée. La vénération qu'entraîne cette interprétation des choses aboutit à reporter sur Marie une part de l'œuvre du salut qui, en réalité, n'appartient qu'à Jésus seul. Marie n'a jamais rien eu à voir avec le processus du salut. Les Écritures nous révèlent que Jésus est le seul qui peut nous procurer le salut. Acte 4. Verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Jésus déclara lui-même qu'il est le seul chemin vers le paradis. Jean 14. Verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 10. Verset 9. « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. » Une fois encore, la question est de savoir ce que vous allez croire, la Bible ou la tradition de l'Église catholique. La Bible est formelle. Ésaïe 43, verset 11. C'est moi, qui suis l'Éternel, et hors moi il n'y a point de sauveur. Avant la naissance de Jésus, un ange a annoncé qu'il serait le sauveur. Matthieu 1, verset 21. Après la naissance de Jésus, l'ange s'est répété. Luc 2, verset 11 encore et encore, nous lisons que Jésus est le sauveur. Regardez les mots de Pierre, que les catholiques croient être le premier pape. Pierre savait, de façon absolument certaine, que Jésus, et non Marie, était le sauveur. Pierre rendit gloire à Jésus, jamais à Marie. 2 Pierre 3, verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Sans l'ombre d'un doute, Jésus est le Sauveur, pas Marie. Les points étudiés ici soulèvent plusieurs questions auxquelles il faut apporter des réponses. Pourquoi l'Église catholique pousse-t-elle les gens à se tourner vers Marie plutôt que vers Jésus pour leur salut? Pourquoi toute cette gloire rendue à Marie à la place de Jésus? Si Marie joue un rôle dans le salut, pourquoi Dieu n'en a-t-il rien dit dans sa parole? Peut-être le plus important, en qui allez-vous vous confier pour votre salut? La Marie de la tradition catholique ou le Jésus de la parole de Dieu? Beaucoup de catholiques prient de manière fervente la Vierge Marie, croyant qu'elle est la médiatrice qui intercède de leur part auprès du Père. Quatre titres spécifiques sont attribués à Marie. Remplit-elle ses rôles? Regardons donc chacun d'entre eux. Avocate. La croyance en une Marie avocate auprès du Père est une autre tradition humaine, non supportée par les Écritures. De plus, la Bible défie la doctrine catholique en déclarant que Jésus, et non Marie, est le seul avocat, 1 Jean 2. Verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Auxiliatrice. Ceci est encore une tradition humaine. La Bible ne qualifie personne d'auxiliatrice, pas même Marie.
secourable. Une fois encore, la Bible contredit le catholicisme en déclarant que Jésus, et non pas Marie, est le seul être supernaturel secourable. Psaume 54, verset 6. Voici, Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. Hébreux 13, verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Nulle part dans la parole de Dieu Marie n'est qualifiée de secourable. Médiatrice. La Bible n'élève jamais Marie à la position de médiatrice, mais elle présente Jésus comme le seul et unique médiateur. 1 Timothée 2, verset 5. Il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Hébreux 9, verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Certains théologiens catholiques prennent pour argument l'intervention de Marie à Cana pour légitimer le dogme. Ce n'est pas convaincant. À la remarque de Marie, ils n'ont plus de vin, Jésus réagit et reprend sa mère. Elle n'a pas sollicité son intervention. Le Fils n'obéit qu'aux directives de son Père céleste. Il ne dit pas à sa mère, « D'accord, je ferai ce que tu me demandes. » Non, c'est Marie qui se soumet, s'efface et dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » D'ailleurs, à Cana, c'est la première et la dernière fois que la mère est aux côtés de son fils pendant le ministère de celui-ci. Ces rares tentatives ultérieures d'intervention se feront, nous l'avons déjà souligné, à contresens. L'apôtre Paul précise clairement la seule médiation divinement établie, 1 Timothée 2, versets 5 et 6. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit de Jésus qu'il est le médiateur de la nouvelle alliance, Hébreux 12, verset 24. Si l'Écriture affirme que Jésus est la tête du corps de l'Église, en Colossiens 1, verset 18, elle ne dit ni ne suggère nulle part que Marie en ait le coup, comme a cru pouvoir l'exprimer Bernard de Clairvaux. Par contre, celle qui nous occupe a été, après la Pentecôte, comme chacun des rachetés, membre du corps de Christ. Ni dans le livre des Actes des Apôtres, ni dans les Épîtres ou lettres postérieures, il n'est dit, suggéré ou recommandé de faire intervenir un médiateur supplémentaire. Toutes les demandes de grâce ou de guérison mentionnées dans l'Évangile ont été directement adressées à Jésus. Jamais sa mère n'a servi d'intermédiaire, et pour cause. C'est toujours au nom de Jésus que sont présentées à Dieu les prières et exercées les dons spirituels. Quant à Marie, elle attend comme tous les justes la première résurrection. Ceux qui l'invoquent aujourd'hui s'adressent sans le savoir à une morte. La fonction de médiateur et d'avocat consiste à intercéder pour les autres. La tradition catholique assigne cette charge à Marie, alors que la parole de Dieu désigne le Seigneur Jésus-Christ comme le seul intercesseur. Hébreux 9, verset 24. Hébreux 7, verset 25. Les Écritures ne peuvent être plus claires quant à l'identité du véritable intercesseur. Romains 8, verset 34. Romains 8, verset 27. La Bible révèle que quiconque accède au Père doit passer par le Fils, Éphésiens 2, verset 18. Éphésiens 3, verset 11 et 12. Jésus à nouveau a baissé. La Bible est très claire. Jésus est le seul rédempteur, avocat, secourable, médiateur et intercesseur auprès du Père. Pourtant, la tradition catholique lui vole ses titres et les attribue à Marie. Pourquoi Jésus est-il abaissé à chaque occasion? Pourquoi le catholicisme est-il déterminé à enlever à Jésus tous les attributs que la Bible lui donne pour les remettre à quelqu'un d'autre? Si Marie doit être élevée, pourquoi certains personnages de la Bible comme l'apôtre Paul déclare-t-il? 1 Corinthiens 2, verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Maintenant vous connaissez les positions de la Bible et de la tradition catholique. Allez-vous rejeter la parole de Dieu et rendre gloire à Marie?
Ou bien rejetterez-vous la tradition des hommes et donnerez-vous gloire à Jésus-Christ ? Hébreux 8, verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. Jésus a-t-il exalté Marie ? La Bible nous révèle le premier culte à Marie. Pendant que Christ enseignait la foule, une femme a coupé la parole de Jésus en vénérant Marie, Luc 11, verset 27. Heureuse est la mère qui t'a porté et allaité. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. Que répondit Jésus ? Dit-il, oh oui, Marie est bénie, c'est la mère de Dieu ? Ou encore, oui, bénissons Marie ensemble ? Dit-il, tu as très bien dit, femme ? Ou encore, tu pourras vénérer Marie après ma mort ? Non. Mais Jésus a du mal à cacher son irritation. Il lui rétorque froidement, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la gardent. Jésus a renversé le culte à Marie. Il a refusé qu'on lui apporte un culte, une louange, à cause du fait qu'elle ait porté le Fils de Dieu. Marie n'a pas grand mérite, elle n'est pas pour grand-chose dans la naissance de son fils, c'est une grâce qui lui a été donnée. Cette vidéo n'insulte aucunement Marie, qui est devenue une croyante, née de nouveau, baptisée du Saint-Esprit, et qui se trouve actuellement avec tous les croyants morts. Certainement, Jésus a honoré sa mère pendant sa vie sur la terre, mais pas plus que toute autre personne, nous devons honorer notre prochain. Très clairement, nous voyons donc que Jésus n'a jamais demandé d'adorer ou de vénérer Marie. Il n'a jamais mis l'accent sur Marie, mais au contraire il a montré qu'elle était comme n'importe qui, c'est pour cela qu'il l'appelait femme. Nous voyons Jésus très souvent avec ses disciples, mais pas avec Marie. Depuis le commencement de son ministère, Jésus a passé plus de temps avec les pharisiens qu'avec sa propre mère, puisqu'elle n'était pas comptée parmi la foule. Jésus annonce que ceux qui entendent et obéissent à la parole de Dieu sont plus bénis que la femme qui la nourrit. Il n'est pas impossible que le Seigneur prononçât ces mots à destination de ceux qui, aujourd'hui, choisissent d'ignorer la parole de Dieu pour vénérer Marie. Au sujet de Marie, celle-ci n'a jamais revendiqué des titres extravagants comme celle d'une abominable déesse de la prostitution sacrée. Elle n'a revendiqué que le plus beau titre qu'une femme puisse avoir, celle de servante de Dieu. Cette marque d'humilité dépeint bien la beauté de vouloir lui donner des titres ou des appellations dont elle n'a pas réclamé. Marie n'a jamais dit de l'adorer elle, mais elle s'est tournée vers Jésus lorsqu'elle en a eu la révélation après la croix. Nul ne vient au Père que par moi.